Coucou mes gens, bon dimanche à vous. C'est comment? Bon dimanche, je suis dans le poisson. Qu'est-ce qu'il y a, Nicolas? C'est quoi qui fait ça? Mais c'est quoi ça? Ah non, non, non. Ça fait des bruits bizarres là. Oui, mais tu joues, tu vas aller jouer sur ton ami tout à l'heure. Donc, ça fait des bruits bizarres. Oui, mais toi, tu t'en fous. Mais moi, quand ça résonne dans mes oreilles, là. Bonjour, mes gens. Bonjour, Letty. Ça va? Premier commentaire. On dit quoi? C'est pas la messe. Nicolas m'a zappé aujourd'hui. Donc je suis à la messe. Je t'ai pas zappé. Tu as fait quoi? Rien. Je suis venue avec toi à la messe. En plus, tu m'as. Un dimanche en plus. Hein? Tu vas t'apprêter alors. Parce que là, ton heure ne fait qu'arriver. Hein? Ça fait que sonner, sonner là. Mais tu lèves 13h46, ouais. Ouais, mais ça va, dans, on va dire il est 50 dans 30 minutes. Non, ben non. Ah si, bah coucou si. Mes gens, ça va? Marina Love, c'est comment non? Elena, Sokna, coucou. Uli Armel, ça va? Mamadi Kaba, tu veux participer? Sauf que quand il vous envoie les invitations, vous ne partagez pas, vous ne prenez pas. Hein? Ou c'est par inadvertance que vous appuyez ou je ne sais pas. Comment ça va mes gens? Comment ça va? Qui est parti à la messe? Qui n'est pas parti à la messe? Qui est resté au lit? Qui a travaillé? Les qui ont bossé? Moi je suis à la maison mes gens. Attends, la messe là, maintenant, je vais faire à manger. Je me fais à manger. Ça va? Flore et Kouma. Ok, comment il fait? Ça c'était. Marjolie? Coucou ma soeur chérie, ça va? Je viens manger le poisson aujourd'hui. Viens, si tu ne travailles pas, viens ma soeur. Viens. Je vais juste frire ça. Tu vois, non? Tu es allé à la messe. Hein? Je vais juste frire, ma soeur. Hier même, tu es parti. Ta boisson que tu voulais même prendre, tu n'as plus pris. Ma soeur, tu... je ne peux pas dire que tu as bien fait de partir parce que j'ai prié pour toi. Mais, même Nicolas, tant que Nicolas vient te dire... Nicolas, oui. La prière qui a commencé hier à 20h30, là, c'est fini à quelle heure? Viens lui dire. Ça c'est fini à 6h du matin. De 20h à 6h du matin. Et t'es dit 6h et demie. 10h. 10h de prière. Ouais. Mm-hmm. En continu. Avec notre Père. C'était grave. Mais j'ai pensé à toi. C'est-à-dire que tu pries notre Père. Jusqu'à, ça devient comme une récitation. Tu dors même, tu te lèves, tu pries encore. Donc hier là, comme tu es parti, aïe aïe aïe, c'était pas le genre que tu disais que tu peux rester même encore même une heure. Bon, non non non. Coucou à Manqué, c'est comment non Manqué, ça va? Joyeux anniversaire au bébé hein, au bébé qui ont grandi là, maman le goût de ça. Elles sont devenues des grandes filles. Ok, je viens. Viens, ma soeur. Il n'y a pas le carême le dimanche. Mais je ne vais pas boire. Toi, tu peux boire et tout, il n'y a pas de souci. Mais je ne vais pas boire. C'est juste le poisson que je vais frire, c'est tout. Hmm?
De toutes les façons, tu es même obligé de venir parce que tu vas aller chercher Stan, non? Je te dis que on est allé se coucher dès quelle heure, Nicolas? Moi, je me suis même couché, il était 2h. Hein? 2h. Et après, je me suis réveillé vers 4h30, 5h là. J'ai continué la prière parce que j'ai laissé ça. Donc, on a dormi avec. On continue. Je vais manger le poisson frit là. Avec le... Comment on appelle ça? Le bâton. J'ai mis le bâton à chauffer. Nicolas, arrête ça. Je t'ai dit que ça me gêne le bruit là. Ce bruit là me gêne. Il est 13h53. C'est ça qui est mauvais avec ça. Et tu te retrouves là après. Tu as chaud. Il fait chaud. Normalement, le dimanche même, si j'avais l'argent, je partais au restaurant. Vraiment. Je partais au restaurant. Nicolas est en train de partir là. Il va aller manger chez son copain. Parce que c'est son anniversaire. Par exemple, Songa n'est pas là. Mais vraiment, pour ne pas me prendre la tête. Je serais parti moi au restaurant, je partais même moi m'asseoir là-bas, je mangeais ma chose. La mère, tu achètes ton poisson là ou bien tu vends avec du venant du Cameroun. Tu viens avec du Cameroun. Non, j'achète ici, non. Tu es sexy. Flore Kouma, merci beaucoup. Merci. Maman, j'ai perdu, hein. J'ai perdu. Hein, le goût de ça. Là, je suis habillée par ma fille de la Belgique, non? The Glam Story. Hein? The Glam Style. The Glam Style. C'est ma fille de la Belgique, là. C'est elle, là. La jolie petite tunique que vous avez vue, là. La tunique et puis son pantalon avec. Habillée par elle. Oui, je viens chercher Stan. Voilà. Je savais. En venant le chercher, donc tu vas t'arrêter. Marie Comblé, envoie-nous au Gabon. Et vraiment. Au Gabon, là, avec ce qui vous est arrivé, là, vraiment, si je pouvais vous envoyer cette petite chaleur, là, pour vous réconforter de tout ce qui vous est arrivé. Avec ça, là, si je pouvais. Sinon, comment ça va? Martine et Sumba, bon dimanche, ma soeur. Bon dimanche à toi aussi. Flore Kouma, ça te va très bien. Oui, je te dis. Aïssatou, comment ça va ma chérie? Mario, ça va? Ma mère est tellement accro à tes directs que lorsqu'elle arrive chez moi, je n'ai plus droit à mon téléphone. Du courage ma grande. Elle est là en ce moment. Nadia. Nadia Desch, elle est là en ce moment. Fais-lui de gros bisous de ma part. Oh. Ouais, à toutes ces mamans-là qui sont accro dans mes directs, là. Le goût de ça, il va falloir que tu lui achètes un téléphone, hein. Pour qu'elle suive souvent. Hein, à toutes ces mamans-là qui sont accro. Tous ces gens-là qui sont accro à mes directs, là. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous, mes gens. Rien de particulier. Je ne peux pas trop faire le japa parce que il faut être concentré. Oui. Comme je ne peux pas, je me sens où? Viens. Mais tu n'as pas vidé. Bah oui. Vas-y.
tu m'as dit qu'on n'a pas beaucoup. Vas-y, vas-y. Juste. C'est bon? Non. Il y a le fosse là même, je vais sortir ça aussi pour goûter. Et les petites chenilles là, non? Les chenilles blanches là. Que tata Lily, sa soeur, avait ramené. Sa soeur m'avait ramené. Donc, je vais d'abord goûter. Comme c'est mon maman, ça doit être bien passé là. Cathy Kamer, coucou, merci. Merci, merci mes gens. Merci. Oh. Merci, merci. On essaye. On essaye d'être à la hauteur. Martine Isumba, c'est mon petit junior qui me demande chaque fois que Tata Doudou même, c'est qui grand-mère? Et je ris. Coucou Rachel. C'est comment, non? Anne. Amvan. Anne Amvan, ça va. Hein? Flore, comment tu dis quoi? Nous t'aimons. Oh, c'est gentil. Merci, mes gens. C'est le dimanche, non? Le dimanche, c'est le jour où je peux me faire belle, non? Le reste de la semaine, je suis là comme tout le monde. Soit tu attaches le pain, soit tu es... soit tu es devant la télé, soit tu es débraillé, quand tu n'as rien à faire. Et si c'est tout le monde, c'est tous les jours qu'on met le rouge à lèvres. Non, non, non. Même pas tous les jours qu'on met le rouge à lèvres. Il y a des jours où même le rouge à lèvres, là, même te fuit. Attendez, je vais voir mon bâton. Le bâton que tata Lily nous a ramené. C'est comment, Sistou? Hein, Rachel? L'angoine me dérange. Quand je peux faire l'angoine, je fais. Les vieux os. Hein? Joséphine, c'est comment? Ça va, où je suis là. Bon dimanche, mes chéris. Bon dimanche, j'étais à la messe. Je montre le bon exemple, il faut aller à la messe. Tu fais des bêtises en semaine et le dimanche, tu vas demander pardon. Et tu demandes aussi pardon. Parce que c'est comme ça, hein? Le carême là qu'on fait là, c'est le pardon aussi en même temps. Hein? Pardon en même temps. Bon, là, j'ai faim déjà. J'ai faim, la qualité fait que je ne devrais même pas avoir faim. Mais comme c'est dans ma tête que je sais que le dimanche, on ne jeûne pas le dimanche. Donc, c'est vrai que je peux aussi rester comme ça sans manger. Hein. Tu es toute belle. Merci, ma sistou. Toi-même, tu es où? Tu es ici ou tu es au Cameroun? Marimba est trop belle, tata. Merci. Oui, 14h. Tu vois, quand je te parle, tu n'écoutes pas. Tu n'as pas encore bossé tes dents. Hé, Nicolas, va te bosser les dents. Maintenant, ça devient la bagarre. Ça devient la bagarre avec l'enfance. Pour se laver, c'est un problème. Pour se brosser les dents, c'est un problème. Pour tout, c'est un problème. Coucou ma Valère, comment ça va? Thérèse Kabiscuit. Waouh! Mais dis donc, vous êtes où là? Mais Missungat là, vous partez, vous revenez, vous partez, vous revenez. Vous faites aussi comme moi, de temps en temps, je disparais, n'est-ce pas? Hein? De temps en temps, je disparais.
Vous partez aussi, vous revenez. Voilà. On va se battre avec ce poisson-ci. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? À manger le poisson, ça m'embellit. Quand je mange le poisson, ça m'embellit. Moi-même, je suis là, je vois comment mon teint déjà au bout de ça. Vous êtes de l'or et déjà alors. Vous êtes de l'or et déjà. Elle a ouvert son magasin déjà. Hein, du côté de. Le Cotonou là. Hein? Ça a Lomé ou c'est Cotonou? Je ne sais même plus. Je ne sais pas si ça a Lomé. Elle a ouvert là-bas pour faciliter à tous ceux qui veulent les produits du côté de l'Afrique. C'est plus facile à expédier du côté de l'Afrique. Donc, ceux qui voudront de l'or du côté de l'Afrique, elle pourra vous expédier partout là-bas. Oui. Qui est rentré là, c'est la pépette? Oui, pépette. Comment Lucie elle mange? Pépette! Tu manges? Hein? On va assaisonner le poisson autrement. Ça là, ce sont les condiments. Maman, tu m'avais dit que qu'on allait voir ça après les enveloppes. Ça c'est les condiments que je devais mettre dans les boîtes. Je n'ai pas encore mis dans les boîtes. Attends, je vais regarder ça, Nicolas, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a rien même encore? Je sais pas, moi, où est-ce que tu. Je t'ai dit, on va voir ça après. Hein? Je sais pas où est-ce que c'est. Je me l'ai même pas dit. Tu fais quoi? J'assaisonne le poisson, chérie. Avec des œufs, boy! Oui. Tu as fini de faire ce que je t'ai demandé? Oui, j'ai tout fait. Et tu pars déjà, ce n'est pas encore l'heure. Je sais, mais c'est déjà bientôt l'heure. Il est 14h06, je pars avant. Faut que je pars avant. Parce que c'est à 30. Va mettre ta casquette avec tes cheveux qui sont debout, debout là. On dirait l'enfant de je sais pas quoi. Une autre façon d'assaisonner le poisson. Attends,
Ça, c'est le condiment que je prends. Le condiment que je prends. En tout cas, dès qu'il y a les beaux jours, hein, sache que tes cheveux là, on est d'accord, non? Oui, mais est-ce qu'on pourra me faire des matchs? Oui, mais ça, je t'ai dit qu'on allait voir ça, Nicolas. Hey, ne viens pas me conditionner en ce qui concerne tes soins là. Hein? Tu ne me conditionnes pas. Tu es encore un enfant. Donc, il y a des choses que tu dois faire et d'autres que tu ne dois pas faire. Voilà. Quand ça concerne tes cheveux, tu ne dois pas faire n'importe quoi. Tu ne me poses pas. On va faire une sorte de mayonnaise. Ça dans le poisson. Une sorte de mayonnaise. Ça, c'est les condiments. Ça, là, c'est ce que j'ai pris. J'avais écrasé ça. Voilà. Donc, je n'ai pas encore mis ça dans les boîtes. Et là, j'ai mis la moutarde. J'ai mis un œuf. J'ai mis le sel, le poivre. D'accord. Voilà. Et je mélange ça bien. Un peu d'huile aussi. L'huile va permettre que ça pénètre bien partout. Et l'œuf nous sert à ce que ça non seulement ce soit bien doré et que ça ne colle pas. Sel, poivre, bien sûr. J'aurais pu rajouter l'épice du poisson. Voilà, je rajoute un peu ça, le plus du poisson là. Je rajoute un peu là. Pour l'occasion, on vient pour faire vraiment cette histoire d'épices là. Même ce mélange là, comme ça, tu finis de nettoyer ton poisson comme j'ai nettoyé et après. Une fois que tu as fini de faire ce mélange aussi, que ça soit commercialisé, non, les gens. Merci beaucoup. Voilà. Une fois que c'est fait, logiquement, on va dire que c'est salé. Hein. Je vais goûter. C'est pas suffisamment salé. J'ai pas mis assez de sel. J'ai juste mis. J'ai mis un peu plus d'arôme, d'aromate. Voilà. Et je vais mettre ça sur mon poisson. Comme ça.
assaisonner là. On laisse. Normalement, quand c'est comme ça, tu laisses mieux mariner même 30 minutes avant de commencer à frire. On va attendre. Je vais frire pour moi. On va attendre que Tata Majolie vienne. Et on va frire pour elle. Comme ça, elle va manger chaud. Le goût de ça. On va laisser ça comme ça. Je vais dégiver le piment. Hein? Je dégive le piment le soir. Que les bonnes choses vont se faire. Je mets du parfum. Hein? Je te mets du parfum. Tu t'es quand même brossé les dents. Pardon, rassure-moi. Comment tu peux te laver? Tu sors de là, tu te brosses les dents. Pardon. Pardon. Et quelle heure? 15. Tu as 5 minutes encore. On a le temps de te brosser les dents. Tu ne vas pas aller mettre le parfum alors que tu as la bouche qui sent. Pardon. Conserve mes condiments, mes gens. Mes condiments, ça me permet d'avoir de l'avance. Comme ça, je sors seulement ça. Je fais direct. Ouais. Si je pouvais souvent faire comme ça, là que j'ai ma petite usine de transformation, je commence à faire les boîtes comme ça là. Qu'est-ce que ça vous rendrait la vie facile, hein? Tu as la viande, tu as le poisson, tu as le poulet, peu importe, quand c'est déjà comme ça. Et tu prends seulement, tu mélanges comme j'ai fait avec le poisson là, comme ça là. Tu rajoutes seulement ton sel. Vous rendre la vie facile. Seigneur, ça va se faire. Pourquoi tout ce qui est pour toi, quand ça branche, que c'est pour toi là, il faut d'abord que ce soit dur. Et à chaque fois, quand je veux me décider à faire, quand je dis que bon, maintenant je lance mon truc et il y a toujours quelque chose. Mmh.
Mais toi-même, tu ne te sens pas bien comme ça. Si. Alors, est-ce que tu le fais pour moi? C'est pour ton bien-être même d'abord, chérie. 18. Tu peux y aller. Je mets mon manteau ou pas? Non, c'est... Non, je... Ouais, mais comme tu vas aller enlever encore là-bas. Hein? Comme tu vas aller enlever là-bas encore. Oui, mais j'ai pas besoin de mettre le manteau. Hein? Je mets pas le manteau? Ou je dois le mettre? Si, mets le manteau. Non, ne mets pas. Alors. Non, prends ta veste. La veste grise. Non. Non? Il est juste là. D'accord. Je descends, j'y vais en rapide beaucoup. D'accord, ok. Non, je vais pas courir. Si, je fais. Pas le temps, voyons. Thérèse et Abena, je te dis, je suis obligée d'être derrière. Maman, je préfère pas courir. Je vais pas courir. Oh, ton parfum sent bon. Hein. Tu en veux? Non, 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 je suis dans la cuisine, chérie. Je dis seulement que ça sent bon. Je suis allée lui donner l'enveloppe. C'est ça quand on est maman, toujours vérifier. Oui. Il va à l'anniversaire. Maintenant, il faut que je détache ça, c'est ça. Ah, tu vas fermer? Ben oui. Ok. Voilà. Tu n'écris pas ton nom derrière? Non? Laisse alors, n'écris pas. N'écris pas. La Maryse est bien. Ça racle tout, maman. La Maryse a tout raclé, regardez. Ça racle tout jusqu'à. Tu fais attention, hein? Oui. Pas de bêtises. Ok. Voilà. La Maryse a tout raclé. Le goût de ça. Ça, c'est le genre que quand je fais à manger, là, j'ai envie de... J'utilisais la marmite. Vous voyez, non? Voilà, j'ai bien avancé, mes gens. J'ai mes condiments là. Mon assaisonnement. Je suis tranquille. On cherche maintenant le couvercle et on va mettre au congélateur. Quand j'ai besoin, je prends seulement. Tac, j'enlève. Tac, j'enlève seulement. Et laisser que ça refroidisse bien. Ça va bien refroidir parce que je ne sors pas. Il y a quelqu'un qui me donne.
demande le poisson. Je fais seulement le poulet. Je fais seulement. Peu importe le condiment que j'ai après. Le mitsunga, c'est prêt. Parce que ça, c'est l'assaisonnement universel. Il va avec tout. Ça, c'est universel. Ça va avec tout. Le porc, le dedans. Faut que je cherche les règles. C'est ça qu'on appelle être organisé. Quand on est organisé, ça donne ça. Voilà mes gens. Celui-ci qui n'est pas trop plein là, je vais mettre ça au frigo. Je vais mettre ça au frigo. Mes gens, regardez. Si je me mets comme ça à vendre moi ma chose tranquille. Mais c'est comment conserver ça qui me... Comment conserver? C'est ça. Attendez, je vais d'abord ranger. Comme j'ai fini de ranger le piment, c'est comme ça que je range aussi pour les condiments. Ça, ça va au frigo. Ça va au frigo parce que je prépare tous les jours. D'accord? Je prépare tous les jours. Donc, ça va me servir déjà d'avance. Voilà. Maintenant, je peux continuer. Pendant ce temps, le poisson va mariner. Donc, on va passer à la friture. On va passer à la friture, les gens. Tata Majo! Elle vient maintenant. Elle est encore là. Coucou, Carole. Elle est encore là, Tata Majo. Est-ce qu'elle est encore là, Tata Majo? Je veux savoir si elle vient maintenant ou bien elle vient plus tard. Parce que là, là, hein, moi, j'ai déjà faim. Je mets déjà mon poisson pour manger. Voilà, un poisson ça me va. Bon, maintenant, j'apprête mon assiette où je vais mettre mon piment, l'aromatique. Je ne veux pas d'oignon, je veux juste le piment simple. Je veux juste simple. Ça va me suffire et je vais encore manger. Bon, le soir, je ne sais pas ce que je vais manger. Peut-être faire une salade. Juste une simple salade comme ça là, pour manger le soir. Les gens, regardez le bâton. Tata Lily a fait fort. Ça, c'est les bâtons que Tata Lily est venue me donner. Elle avait ramené ça du Cameroun. Vraiment. Quand tu as la qualité de bâton, si fièrement tu vends un bâton à 3 euros sans te prendre la tête. Parce que le bâton est gros. Non, ça, regardez vous-même.
le bobolo. Je vais manger avec les mains. J'avale même déjà la salive, mes gens. J'avale déjà la salive, j'apprête. Maman, sont gros, hein, les bâtons là. Je voulais réchauffer les chenilles, hein, les chenilles blanches là. Je voulais chauffer ça un peu là pour goûter. La soeur de Tata Lily qui vend ça. Mais là, elle est partie au Cameroun. Peut-être qu'elle va ramener la prochaine fois quand elle sera de retour là, les chenilles blanches là. Tata Lily a mangé ça l'autre jour, mais ça l'ont. Mon cœur faisait seulement jean-jean. Donc, on va manger les chenilles blanches, on va goûter. Bon, attendez, je reste même la marmite aussi une fois, non? Hein? Elle n'a jamais fait un direct sans qu'elle n'ait toujours en cuisine. C'est mon travail, non? C'est pour ça que je suis là à Facebook. Vous croyez que je suis là pourquoi? Vous voulez qu'elle vienne vous parler du Japon déjà? Et Wanda, hein? Vous voulez qu'elle fasse quoi? Normalement, mes directs, c'est pour faire à manger, hein? Hein? Mais dirais que c'est pour faire à manger. En tant que traiteur. Hein? En tant que traiteur, je suis en train de me promouvoir. Si je ne me fais pas moi-même la publicité, qui va faire à ma place? Donc, je suis en train de faire moi-même ma cuisine et je mange. Traiteur événementiel. 06 58 15 90 06. Donc, au lieu de dire seulement de bouche que oui, je suis traiteur événementiel. Voilà ça, je fais la cuisine tous les jours et vous voyez. Hein? Chaque temps, je fais à manger. Chaque temps, je fais à manger. Je ne vais pas dire que je suis traiteur de bouche alors qu'on ne voit même pas ce que je fais tous les jours. Mais c'est ça un travail de longue haleine. Hein? C'est ça un travail. C'est ça faire sa publicité. Vous voulez quoi? Tu veux que je vienne te faire quoi, le Congo ça? Hein? Tu veux le Congo ça? En ce moment, il y a le Congo ça partout, ma chérie. Tu peux aller là-bas. Mais si tu me vois tout le temps dans la cuisine, parce que c'est mon travail. Tu as compris? C'est mon travail. Oui. Il peut m'arriver de temps en temps de venir faire aussi certaines choses sans que je ne sois dans la cuisine. Mais si je suis à Facebook, c'est parce que je montre ce que je sais faire. Moi, je fais à manger, ma chérie. Hein? Traiteur de mon état, je suis auto-entrepreneur. Celle qui a revalorisé le Misunga. Maman, le bout de ça. Hein? Donc, si je ne suis pas dans ma cuisine, tu veux que je sois où, moi? Hein? Où tu veux que je sois? Dans ma salle de bain, peut-être. Ou te montrer comment je porte mes habits et tout, machin. Est-ce que tu fais frit dans la poêle, ma soeur? Oui, je fais frit. J'ai envie de manger ça frit. Hmm? J'ai envie de manger ça frit. C'est ça, là. Le Wanda, si les gens, ils veulent même souvent quoi? Vous voyez, quand vous faites ça dans la poêle, et que vous mettez la bière pour empêcher que ça ne colle. Soit vous mettez la bière, soit vous mettez la farine, soit vous mettez un œuf. Et les œufs, ça dépend de la quantité du poisson. Bon, ça suffit, hein. La quantité de poisson que j'ai eu à faire, on va dire 3 poissons. Ça suffit. Tata Majulie, je vais laisser pour toi là-dedans parce que je ne sais pas si elle vient ou si elle ne vient pas. Hein? Donc, voilà. C'est ce que je fais. Je ne peux que vous montrer ce que je sais faire. En dehors de ça, dans les réseaux sociaux, je ne sais pas ce que je vais vous montrer d'autre. De temps en temps, bon, je sors un peu de mon cadre, de mon petit confort là, hein, qui est ma cuisine. Je sors un peu de là
et puis on parle de tout et de rien, de certains sujets et tout. Mais là, je suis pas très motivée vraiment à parler autre chose. Les sujets, il y en a, mais je suis pas très motivée parce que ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Vous voyez, non. Je suis plus concentrée dans ma cuisine, je suis plus concentrée dans ma prière, je suis plus concentrée dans mon carême, quoi. Voilà. Et qui fait le carême, vraiment évite d'avoir des sujets qui vont venir te faire sortir ton esprit de... J'ai souvent un souci. Ça se colle, je mets l'œuf. Oui. Le choix pour éviter que ça ne colle, c'est ça que je vous ai donné. Soit, après avoir assaisonné comme ça là, d'accord? Si vous n'avez pas les œufs, vous avez peut-être la farine. La farine, avant de mettre ça dans l'huile, vous mettez d'abord une poignée de farine comme ça dans l'huile. Vous saupoudrez comme ça. Ça va mousser un petit peu. Et vous mettez le poisson. Et là, ça empêche que le poisson colle. D'accord? Si vous n'avez pas la farine, vous utilisez les œufs. Tu mets un œuf selon la quantité. Tu mets un œuf dans ta marinade. Tu mélanges ça avec. Et tu fais frire normalement. Ou sinon, tu mets la bière dans ta marinade. Tu peux mettre genre 33 centilitres, les petites bières là. Tu mets une petite bière et tout ça dans ton assaisonnement et tout. Et après, tu laisses mariner. Au moment de la friture, ça va, sera pareil. Ça ne va pas coller. Ok? On va chauffer les chenilles blanches là, les chenilles qui poussent, qui sortent de palmeraies là, des palmiers, les chenilles qui sortent de là là. Là, ta chaîne. Là, je ne me suis pas maquillée. J'ai juste mis le rouge à lèvres. J'ai juste mis le rouge à lèvres. On va chauffer ça dans la poêle. C'est quand tu chauffes la nourriture dans la poêle, ça a plus de goût. Ça a plus de goût. Donc, on va manger les chenilles blanches. Les chenilles blanches, on va manger ça. On va manger les chenilles blanches. Chauffer ça dans la poêle correctement et bien. Quelle belle note. Merci. Déjà cuisiné. La personne qui veut. Les vraies chenilles, oui. Pas les chenilles noires, noires, les blanches là. Foisse. Le foisse, le foisse. Les grosses là. Donc, celui qui veut bien me retrouver dans mon... Maman, il est gros et c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, dis donc. Je ne pourrais pas finir ça. Je vais prendre juste un petit peu.
ça chauffe vite. On va mettre ça ici. Et je fais une partie. Voilà, c'est beaucoup, mes gens. Donc, la personne qui veut, j'ai deux paquets encore. Pour les gens qui aiment le foie, là. Je mange pas tout parce que le doc, c'est un peu. Un peu. Je mets ça à chauffer là. Regarde encore ça. Ça c'est l'or noir. Ici là, le foie. Ça coûte cher. 13 000 le kilo. 13 000. 13 000 le kilo, mes gens. 13 000 francs CFA. 13 000 francs CFA. Pas 2 000, pas 3 000. 13 000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voyez-nous. 13 000 le kilo. Je vais enlever mon poisson. Celui de Tata Majulie va avoir le temps de bien mariner là. Ça, on va passer à table, les gens. Je dis que je salive, vous me regardez. Avec le piment. Voilà, on va passer à table. Et ça, je suis en train de chauffer. Je chauffe les chenilles blanches. C'est ça que je vous montre là, les chenilles blanches. Voilà, on a fait cuire ça comme j'aime. Simple. Simple, rien que ça. Voilà. Donc, pour la personne qui veut, j'ai encore deux. C'est beaucoup, hein. 13 000 le kilo, je vous assure. Donc, c'est même pas un peu la blague. Faut laisser que ça frit bien. Ça, c'est bourré de protéines. Là, là, là. Des protéines de ça, naturelles. Je dis qu'il y a un flore et comment le poste de ça. Trop bon, trop bon. Attendez. Mmh.
goût qui fait sursauter. Bon, les vraies choses peuvent commencer. Let's go. Je regarde si j'ai encore assez de batterie. Oui. Bon, on y va. Oui, c'est chaud. Attendez, j'arrive. Attendez, je range d'abord mon nom noir. Je ferme le gaz. Et le poisson de tata m'a dit, il faut que je le mette au frigo. Wonderful, j'ai failli oublier. Attendez, je mets le poisson au frigo. Est-ce qu'elle va venir manger? Quand elle va venir, je vais frire ça quand elle sera là. Est-ce qu'elle va aller chercher Stan? Je pose le téléphone ici. Il me faut la bouteille d'eau pour poser le téléphone avant de commencer les vraies choses. Ma bouteille d'eau. Oh là là, merci Seigneur. Merci pour ce bon repas. Je vais doser là tout à l'heure et tout. Hé, hey, mon père Félix. Si ça fait, j'ai rajouté le piment. J'ai rajouté le piment. C'est bon, je crois. Bourré de protéines naturelles. Les chenilles blanches. Ça là, on corrige. Ouais, quand tu réchauffes avec son huile comme ça, là. Quand tu réchauffes avec son huile comme ça, tu laisses encore que ça soit bien croquant. La tête là, quand tu manges ça, ha, ça fait seulement croche. Au goût de ça. Merci Seigneur. Merci pour ça, papa. Il y a ceux qui n'en ont pas. On vous voit ça. Et tout si on mange avec les mains. Les vraies choses commencent même alors. On peut dire aujourd'hui, il est venu.
Tata Majorie est où? Appelle Tata Majorie. De toute façon, quand elle va venir. Ah oui. Bon, ça, on va laisser ça comme dessert. C'est bon jusqu'à... Qui veut? C'est cher. C'est mon repas. Mais... Quand je mange même des ne serait-ce que ça. Après, le goût même. Le goût va partir, le piment aussi. Tu m'as parlé là comme ça. En ce moment, on est en train de prendre les gens. Gens de mauvaise posture. Que le Seigneur ne me donne pas souvent cette occasion, qu'il n'accorde pas cette occasion de me retrouver dans cette mauvaise posture. C'est ça qu'on appelle le direct. Parce que le direct, on a tendance à s'oublier et on fait certaines choses. Les gens qui prennent souvent les mauvaises postures là, et mettent pour saboter les autres là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, franchement. Ça peut arriver. Un direct peut te détruire. Et comme un direct peut te mettre en haut. Mais c'est le fait de relayer là. Alors, comment tu veux? Oui, moi je ne mange que le poisson. Osine Langay, à ta doudou, la tête me fait même déjà mal. Quand tu manges seulement comme ça, toi alors t'es grave. T'as pas de grave. Ou tu es loin là-bas aux États-Unis, ma fille. Tu es Missonga, t'es pété en même temps. Au bout de ça, la fille de qui même? Nous sommes les bosseuses. C'est ça. L'assaisonnement là, moi je n'ai pas attendu que ça pénètre. Une tata Majorie, elle va bien manger. Hein? Le bâton, regardez. Angare Boubadeda. Tata Doudou, la roi, non, tu sens, pardon. Faut souvent me laisser tranquille. Faut me laisser tranquille. Il y a des sujets que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je veux finir mon carême tranquillement. Tu as compris, non, Tissandra, pardon. Je veux finir mon carême tranquillement. Il ne faut pas aller chercher le diable quand il ne faut pas. J'ai dit ici là que les gens qui relaient souvent les informations, qui portent, ils partent avec, ils font le tour de la toile. Tout simplement parce que s'il y a quelqu'un qui t'énerve, après ça va faire le tour. On te dit, Tissandra, je veux faire le tour. Je vais finir mon carême tranquille, pardon. Puisque si moi-même j'évite. J'évite ce qui peut m'amener à. À dérouter mon carême, pardon. Dans la vie, il faut savoir éviter. Et moi. C'est ça que je demande à Dieu tous les jours, de me donner l'occasion de faire le discernement et de savoir éviter, franchement. De savoir éviter. C'est pour ça que beaucoup disent que Aka, celle-là, c'est une couille molle.
On mettait beaucoup de couilles molles ou d'hypocrites. Oui. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir éviter. Moi, je ne veux pas quelque chose qui va venir perturber mon sommeil. Et je me retrouve là. Et les réseaux sociaux, il y a le diable dedans. Hein. Vous savez pas ça, hein? Ce que je fais même là, vous croyez que c'est tout le monde qui aime ça? Vous croyez que c'est tout le monde qui aime ça? Venez m'asseoir comme ça, je montre comment je mange, je montre comment je suis bien. Le diable n'aime pas quand tu as bonne mine. Hein? Le diable n'aime pas quand tu as le sourire. Hein? Peu importe les problèmes que tu as. Hein? Les gens ne savent pas. Mais le diable n'aime pas ça. Hein? Venez me positionner là, comme ça là. Je fais mon direct, je ne m'occupe pas de la vie des gens, je fais mes choses et tout ça là. Les gens n'aiment pas ça. Beaucoup disent, Anti, sa vie va bien. Et pourtant, j'ai des problèmes comme tout le monde. Hein. Tu s'en vas, tu comprends, non? J'ai des problèmes comme toi. Hein. Pour pas quoi, ma chérie? Moi, j'ai seulement eu la chance que ma Starmania a payé. Parce que ça ne paye pas à tout le monde. Hein. Il y a la Starmania négative. Il y a la Starmania positive. La positive, c'est que moi, je fais mon travail. Hein. Je viens promouvoir ici, là, que je suis auto-entrepreneur. Je fais mon travail légalement. Je suis traiteur événementiel. Donc, pour tous ceux qui ont les mariages, les anniversaires, les bassessistes, là, vous voulez la nourriture traditionnelle, vous savez que vous pouvez me solliciter. C'est pour ça que je me tue à préparer tous les jours. Vous voyez comment je fais. Pas parce que je veux montrer que je mange bien chez moi tous les jours ou bien je me nourris bien ou bien... Non! Parce que tu as besoin de faire certains plats pour prouver aux gens que tu sais vraiment faire à manger. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et parfois, je donne des idées. Ce n'est pas pour venir me vanter mes gens. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Dieu m'est témoin. Dieu aide beaucoup de gens. Je suis là. Rien qu'avec les plats que je fais. Il y avait des gens qui ne savaient pas mélanger des nourritures. Aujourd'hui, ils commencent à mélanger. Tu as ton mari qui est blanc, tous les Européens là. Tu ne sais pas quoi lui préparer. Quand tu as appris à préparer seulement les nourritures bizarres, bizarres du pays que nous on mangeait là, les bassos d'arachide. C'est vrai qu'il y en a qui aiment. Mais ce n'est pas pour eux tous les jours. Tu peux cuisiner un steak. Au lieu de le manger sec, tu peux faire une petite sauce avec accompagné qui est... Voilà. Leur poisson à eux, là, en dehors d'une autre. Quand tu reviens faire... Quand tu fais un filet de poisson, des choses comme ça, pardon. Tu devrais te vanter il y a longtemps. Il y a longtemps. Tu aurais su que tu avais une demeure. Non, même pas. Okay. Je ne me vante pas. C'est fruit l'effort de mon mari et moi. On ne s'exhibe pas. On dit qu'il faut être humble dans la vie. Je vais aller à la fin du mois d'avril. Je vais à la fin du mois d'avril. On lui dit merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. En ce moment, vous voyez comment mon commerce bat de l'aile, non? Mon commerce bat de l'aile en ce moment. Est-ce que je me plains? Je ne me plains pas. C'est ça la vie. Pour vous montrer que ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, ceux qui font comme moi, surtout ici dans les réseaux sociaux, quand tu fais, tu ne sais pas que quelqu'un d'autre est en train de tricher. Mais ça te fait une visibilité en moi. Parce que l'autre personne va aussi faire. Il faut accepter que la possibilité s'offre aussi à l'autre. D'accord? Le moment viendra où tu vas te reprendre en main. Moi, je demande seulement au Seigneur de me donner de quoi manger. Puisque je me nourris avec ça.
qui me donne de quoi manger avec ma petite famille, mon mari et mes enfants. Assurément là. La magie. Massa. Tata Lili, le bâton là est bon, je confirme. Merci, grand-mère Grelo. Et le poisson, tu le fais du genre pas trop cuit. Je vais à la fin du mois, ma chérie. Je vais à la fin du mois. Elle m'avait remercié, la Vierge Marie, avec son fils, de tout ce qu'ils font dans ma vie. Je ne suis pas malade. Je suis debout. Mes enfants ne sont pas malades. Mon mari n'est pas malade, couché. Ma maman n'est pas malade, couché. Mon frère, non plus. Tata m'a joli. Aucun de nous, personne n'est couché. C'est une grâce. Vous savez ce que c'est qu'avoir un malade qui est alité, ou n'est pas bien. Aucun de nous, aucun de nos enfants, on peut avoir des difficultés, oui, de la vie normale. Rien que ça, tu dis merci à Dieu. Le contrat qu'il m'a déjà donné au cours de l'année, c'est beaucoup. Tout à fait, ordinateur junior. La crise est partout. J'ai la santé du corps, j'ai la santé de l'esprit, parce que je ne provoque pas. C'est que quand tu vas provoquer, toi-même tu es conscient. Et après quand on commence à parler sur toi, ça t'empêche de dormir. Ton esprit est comme ça. Là. Donc, j'ai la santé du corps, la santé de l'esprit. Mon âme aussi est en paix. J'évite l'humilité. Voilà. Juste merci Seigneur. C'est une grâce de nos jours. Les gens qui ne dorment pas la nuit, parce qu'ils sont persécutés. Et les gens qui ne dorment pas la nuit, parce qu'ils ont eu à faire des mauvaises choses. Qui les rattrape aujourd'hui? C'est ça, Marie Magne. Moi, j'aime mon sommeil. Je vous assure. Et je dors vrai. J'aime mon sommeil. Je dors vrai. Et bien même. Ça peut m'arriver que je me lève dans la nuit et puis le sommeil ne vient plus. Je vais galérer à me recoucher. Mais quand je dors vrai. Vous savez, les réseaux sociaux ici, hein, le diable existe. Le diable existe. Il faut avoir le discernement que voilà, l'eau voilà qui est là. Il faut faire très attention. Il y a trop de mauvaises choses qui se passent. Demandez toujours la protection du Seigneur. Pour vous éviter d'entrer dans un engrenage où tu ne peux plus sortir. Il y a un phénomène qui se passe à l'heure actuelle, c'est que les gens qui ne savent pas supporter la galère,
Les gens qui n'ont pas de patience. Hmm? Les gens qui ont leur commerce, qui voient comment le commerce est en train de tomber, comme moi en ce moment. Moi, ma part n'est même pas véritablement tombée. Hein. C'est parce que je n'ai plus l'activité tous les jours comme j'avais. Donc, je ne suis pas tombée. Moi, je suis sous réserve. Parce que l'été là qui arrive, j'ai des contrats. C'est parce que j'étais habituée que tous les week-ends, je travaille. Et donc, quand le week-end passe comme ça, là, ça fait comme si tu n'étais pas en activité. Ah ben non, tu es en activité. Je prends ça que j'économise en énergie. Parce que je vous assure que travailler en semaine entre les gens qui commandent, les gens qui te passent les commandes là, après, il faut aller, il faut les cuisiner, après aller livrer. Après, tu as une vie de famille derrière que tu assures. Tu vas passer ton temps seulement, tu ne vas pas voir la différence entre ta famille et ton commerce. Hein. Tu ne verras pas le temps. Hein. Oui, Carole, merci. Coucou, ma Chantal. Comment tu vas, mon bébé, à moi? Merci, tout. Donc, les gens qui n'ont pas cette force de supporter et d'accepter que il y a des moments difficiles. Il peut y avoir des temps forts. Il peut y avoir des moments d'accalmie. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le cœur va seulement être là que vous. Il faut à tout prix. Hein? On va venir te proposer que viens. On t'amène quelque part. Multiplier ton argent. Il faut booster ton commerce. Donc, si tu pars, pim, 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 pim. Maman. Tu vas te retrouver à donner ton enfant là-bas. Tu vas te retrouver à donner tes enfants. Tu vas te retrouver à donner tes parents. Les pauvres parents. Tout ça pour la gloire. Tout ça pour la notoriété. Hein? Parce qu'il y a des gens aussi, même sur les réseaux sociaux, en quête de notoriété, ils sont prêts à tout. Parce qu'il faut qu'on les voit. Hein? Moi, on me voit déjà. On sait là que je suis là. On sait que j'existe. Le simple fait que je fais seulement là, que quand je dis que je prends l'avion, je m'en vais à l'aéroport. À l'aéroport, on me reconnaît déjà. Dans l'avion, on me reconnaît. Quand j'atterris chez moi au Cameroun, on me reconnaît. Maman, le goût de ça, quelle notoriété encore qu'il faut. Les gens qui m'appellent pour leur mariage, parce que tu es là, tu ne sais pas qui te regarde. Moi, au moins, je fais quelque chose d'important. Hmm? Et fais quelque chose d'important derrière. Ceux qui viennent souvent là, ils veulent que tu parles de la vie des gens. Hmm? Oh, moi je laisse un résultat derrière. Moi je laisse des souvenirs. Parce que quand quelqu'un va souvent rester comme ça là, si c'est pour son mariage, elle dit, ah, c'est Tata Doudou qui m'avait fait mon mariage. Elle a préparé à mon mariage. Voilà. Et ça va du bouche à oreille. Et les gens apprécient. Et c'est comme ça qu'on t'appelle. Hmm? Si on ne t'appelle pas. Et puis à un moment, j'étais victime de mon succès, non? Au goût de ça. Hmm? Et puis à un moment, j'étais victime de mon succès. Après là. C'est normal que ça se calme. Après, ça va reprendre. Hmm?
entre temps, tu prends le temps de prier Dieu. Parce que rappelez-vous que quand j'étais trop occupée le week-end, le dimanche arrivait, je ne partais même pas à la messe. Je n'avais même pas le temps de m'occuper de moi. Et je me plaignais même que, Seigneur, je n'ai même pas le temps de venir t'honorer. Alors, s'il arrive que là, il n'y a rien à faire. Dieu m'accorde ce temps-là. Et il me met dans la tête que bon, voilà. Tu vois, quand tu étais occupé, tu te plains, tu disais que tu ne peux même pas venir à la messe parce que tellement tu étais fatigué. Parce que si tu as travaillé tout le samedi, forcément le dimanche tu es fatigué. Si tu allais pour un mariage le samedi, donc le dimanche, forcément tu seras fatigué. Tu n'auras pas le temps de venir même à la messe. Ne viens pas à la messe, me fais plaisir. Viens à la messe déjà, au moins pour écouter ce que le prêtre va dire. Ouais, la parole de... Ma parole. Voilà. Si j'ai le temps comme ça, là, au bout de ça. Au bout de ça, mes gens. Alors, je dis que Dieu même, ici, là, n'ai jamais fait la concurrence avec Dieu. Jamais. Ou lui faire un défi. Ou faire la concurrence avec quelqu'un. On est ici en détail. Le Facebook, beaucoup montrent le paraître, mais le concret, il n'y a pas la vérité dedans. Beaucoup sont dans le paraître. Ils nous laissent croire que ça va dans leur vie. Ça ne va même pas du tout. Ça ne va même pas du tout. Il ne faut pas croire à ce que les réseaux sociaux-là vous racontent. Les gens dans les réseaux sociaux-là, ils utilisent ça mal. La vie, c'est les hauts et les bas. Là, je suis dans ma période basse. Oui, il faut accepter. Je suis dans ma période basse. Il ne faut pas seulement entrer dans le gouffre et se décourager. C'est pour ça qu'il faut éviter de se disperser. Parce que quand tu es dans ta période basse là, c'est là où on voit vraiment si tu as la foi. Si ce que tu fais. Super, c'est bien Corinne. On rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu si tout s'est bien passé. Je suis en train de sucer les arêtes maintenant. C'est sucré, c'est bon. Absolument de ça. Ok. Un arrière petit goût là, un genre. Mal bon. Dès que quelqu'un voit que c'est vu, on dit abaissé. C'est la guerre. Chimène Vanet. Tu manges le popcorn? C'est pas pour me moquer. Mais tu as quand même fini de manger déjà. Les popcorn, c'est pas ton repas. Peut-être tu es en train de grignoter les popcorn. Il n'y a pas encore bu le coca. Et comment il a roté? Au bout de ça. Il joue du poisson. Il faut qu'elle mette ça à côté là comme ça. Parce qu'on va faire une croche avec la queue. La queue du poisson. Croche.
Tata, tu n'as pas trop mangé. Plus de poisson. Ouais. Ça me suffit. Elle mange un poisson, non? Avec deux bâtons. Le bâton, même là, même, n'est pas encore fini. Ça. Le goût de ça. Ok. N'a pas fait le mélange. Comme tout ça va aller sous le mélange. Ok. On se nique dans ce sou. Il mal bon. Il y a encore deux. Parce que. Beaucoup de sang. Merci beaucoup, Rodine Nanga. Merci. Non, mais c'est vrai. Bon, je ne suis pas là dans les histoires des vues et tout ça. Les gens achètent. Facebook donne l'argent. Toi, tu pars encore pour acheter parce que tu veux montrer que tu. C'est que même je fais ça. Moi, c'est le retour après. Même Dieu même a calculé ma charge de travail. Il a vu que au Cameroun, j'ai la possibilité d'avoir les gens. Ici, je n'ai pas la possibilité d'avoir les gens. Parce que, je veux dire, les gens de confiance, ils sont très peu, même comme j'en ai déjà. Mais au quotidien, vraiment que s'il en fallait. Et mes petites soeurs, Nina et Marjorie, elles sont là. Que quand j'ai une grosse commande, comme celle qu'on avait gérée à Olympia, là, là je sais que je vais faire appel à elles, elles vont venir. Mais, sinon la plupart du temps, ici, les réseaux sociaux nous prouvent encore tous les jours que ça ne sert à rien de prendre quelqu'un et mettre chez toi. Ça ne sert à rien de faire rentrer la personne chez toi si tu, si tu ne connais vraiment pas la personne. Moi, j'ai des vraies relations. Ok. Comment l'assaisonnement est bon. Ça va bien déguster son poisson là. Cela fait un truc de marmite pop. Et je veux faire ça quand il va venir. Quoi? Marie-Mani, tata, ce que tu dis est vrai. Quand tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes. Ma fille a accouché à 50 ans. L'enfant a 2 mois aujourd'hui. Yay! Le goût de ça. Le goût de ça. Félicitations. Alors là. Ça existe. Avec la foi, justement. Moi, je vous dis. Nicolas est arrivé comme ça. Nicolas est arrivé comme ça, même comme j'ai eu des complications pendant sa grossesse et à l'accouchement. Le Dieu est grand. Mon enfant marche. Mon enfant s'exprime. Il est debout. On dirait qu'il va accoucher un légume. Les gens qui détruisent les familles des autres là. Dieu est grand. Les gens qui détruisent les familles des gens. Tata Doudou commence à nous faire dire sur TikTok. TikTok, c'est déjà la poubelle. En tout cas, elle est venue. Je sais que vous allez être nombreux là-bas. Genre, je fais un direct de cuisine et maintenant pour manger, je viens à TikTok. C'est super. Les gens vont venir là-bas pleinement.
La tête. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, on enchaîne. Avec le petit bâton qui reste ici, c'est ça même. C'est ça même. On ne t'arrête pas chercher au piment encore parce qu'il faut mettre le piment. Je compte. La personne qui touche, il faut me dire. Maintenant, je on commence. Maman, rien n'y est. Suivez. Attendez, je vais appeler mon père Félix. Je vais lui demander s'il veut. Tata Magie m'a appelé à 13h50. Il est 15h. Bientôt, ça va être l'heure de... C'est pas grave. Je vais partager quand ça va être l'heure. Et puis, je vais prier après. J'ai prié jusqu'à 6h30, mes gens. 6h30. Après, j'ai fait encore la prière du matin. La qualité que j'ai pris en ce moment-ci. Hé, hey, le goût de ça. Il va appeler mon père Félix. Mais il va me dire que tu n'amènes pas ça maintenant. Mon padre. Grand-mère gros loup. Zaman va. Allô? Oui, mon père. Oui, dis-moi vite. Bonjour, ça va? Dis-moi vite. Je disais que j'étais gardé. Dis-moi. Le foie. Tu manges le foie? Tu manges le foie? Ça, ma chise, ma qui foie en dessous. Oh, comment les yam? Tout est après. Tu chauffes seulement avec le bâton. Tu veux que je vienne prendre? Viens alors. Bon, j'arrive là dans 30 minutes. Il n'y a pas de. Je mange d'abord chez. Je suis venu voir enfin ma petite amie Tanina qui m'a invité. D'accord, ok. À tout à l'heure, mon père. Voilà. Le piment. Tout aussi. On termine. La manière. Grand mec, volo. J'espère que Nicole, elle a laissé encore un. Hein? Parce que je ne savais pas. Sophie Mifumu, je dis que Zamani va. Regarde. C'est le dessert. C'est le dessert, je suis là, le goût. Ça fait genre croche. Je ne sais pas si tata Magie va vouloir.
Ah oui, elle m'a appelé en début là. Ah, c'est vrai. Elle voulait me confirmer qu'elle vient. Ça m'a gêné. Elle va me dire quoi? Que je lui garde le foie. Elle ne mange pas les choses comme ça. Si. Hein? Elle passe à toi, tu m'appelles. Il veut pas vite mourir, c'est souvent comme ça qu'on dit non. Ma oui. En tout cas. Tu sais que me laver, elle a fini de laver, je m'habille. Tu veux qu'elle te garde le foie? Moi, je viens de dire que tu ne manges pas à Catricien. Ok, tu as dit ça. C'est pas bon, ma soeur. Il y a tout de piment. Le foie, il y a le poisson. Le poisson en train de mariner. J'ai dit qu'elle veut faire frit quand tu seras là. Ah, tu parles du foie. Mm-hmm. Et moi aussi, le foie. Comme tu as un mauvais souvenir du foie. Mais elle m'a dit que c'est parce que t'es mal cuisiné. Oui, quand c'est mal cuisiné, c'est ça. Ça avait vomi jusqu'à. Quand c'est mal cuisiné. Là, là, là. Tu vas te cuisiner exactement comme j'aime. Tu rajoutes seulement le piment. Et tu laisses ça faire croche, 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 croche. Maman, c'est comme si on avait brisé ça. Ah. Hein? Ah. Mm-hmm. Donc, je commence vraiment à soigner les bâtons là. Ah, là. Ça arrive alors. Et tu laisses encore au fond. Ça arrive, je vais manger avant d'aller chercher ça. Et le bâton. Hein? Tata Lili, merci beaucoup. Ok, donc tu as encore en direct. Oui. Donc tu l'appelles, mais jamais. Parce que vu que tu m'as appelé, je n'ai pas entendu comment ça a sonné. J'ai mis ça en mode vibre quand j'étais à la messe. Avant d'écrire, j'ai appelé. La petite a fait le poisson, donc j'ai appelé pour dire que Dan m'a pas. Ok. Parce que c'est un poisson, tu ne vois pas mes commentaires. Grand maigre le dit que pardon vient où un don de ça. Grand maigre l'eau. Merci ma femme. Pas soin de terre. On prend mon pied. Voilà. Et tu me souviens ton bon bâton là. Il y a plein. Deux morceaux de bâton. Ça m'a mis qu'à où. J'espère que Nicole a le feu. On n'arrive pas à finir le bâton aussi, mes gens. C'est ça qui est bon, alors tu gardes, tu gardes. J'ai appelé le père Félix. Ah, c'est toi, Fox. Hey, quand il arrive là. Aïe, on va se mettre dans les programmes. C'est mon père, là. Mais il faut un programme, mais qui vient dans la maison. Et c'est toi qui vas cuisiner, là. Salut Nyamakura. Nyamukara dit que il salive comme une femme enceinte. Ouais. Ah, elle est là. Ça va? Oh. Coucou ma Leïla, on dit quoi? Envoie-moi un message. Un message. Oui, ma Leïla. Ma missionnette française à moi. La blanche. On va manger le foie. On ne sait pas si elle veut. Salade. Ouais, je n'ai même pas fait le rapprochement en plus. Salade, ça va? Comment va Mambombo? Mettez les cœurs à la maman de Mambombo qui est là. C'est elle qui dit qu'elle est enceinte. Elle salive comme une femme enceinte. C'est la maman de Mambombo. Elle m'a donné le nom. Elle vit en Bretagne. Donc, elle a une tata doudou avec elle là. Tu as plus d'un an aujourd'hui. Hmm?
Nina Venus. Tu manges, ça donne le goût jusqu'à. Même si la personne n'aime pas le foie, c'est trop bon. Il a dit qu'il mange tout sauf le poison. T'as entendu ça, hein? Il dit qu'il mange tout sauf le poison. Bon, ok, laisse un peu, ma soeur. Yes. On peut commencer comment? Merci Maléla. Il faut que je garde ton nom de professeur. Charlotte, tu dis. Oui, quand même. On se force là. Quand j'ai fait ton paquet, si tu veux, tu me dis. Je t'en mets un peu. Non, trop bon. Mange ça. Maintenant, mon dessert, c'est quoi? Il va être à l'aube. Elle ne lit pas. Elle ne te lit pas. Elle ne te lit pas. Ok. Ok, Maléla. Le chapelet a commencé, je vais partager et quand je serai au calme, je vais le faire. Je partage pour ceux qui veulent. Maintenant, votre intention de prière au 0892 46 00 12. Nous la présenterons pour vous à la grotte de Massabielle. Voilà. Comme ça, ceux qui veulent faire, ils n'ont qu'à les faire. Moi, je vais faire après. J'ai trop prié cette nuit. Je suis allé à la messe. Donc, même si je ne fais pas mon chapelet, là. Quand j'avais coupé ma vidéo avec vous, il va les faire. D'accord? Le coca que Tata Majou a ramené hier, il n'y a même plus de bulles dedans. C'est pour ça que moi, je pourrais faire, je bois, le reste, je ne bois plus. Babala. Acham, bonté. Ça, ça peut être tout mon repas. Hein? Quand on fait comme ça, là, c'est tout mon repas. Hein? Parce que j'ai le ventre ballonné, je ne supporte plus ça quand j'ai le ventre. Que je suis mal à l'aise parce que j'ai mangé. J'aime pas ça. Ça me dérange. J'ai bien mangé, mes gens. Merci, Seigneur. Merci, Tata Lili. Là, j'ai une dent qui est trouée là. Et quand je mange comme ça, ça ne va pas caler là-bas. On va aller, on va curer les dents après. Et tu as des peurs pendant une semaine. Hein? Est-ce que tu vois sans le changement quand même? Oui. Matin et soir, matin et soir. Voilà. Là, map. Je vais chercher le foie. Chantal. Ah.
la première, la six. On vit de tout. Le goût de ça. Le rôle de sang, oui, non, bon. Non, c'est pas bon. Il faut que ça vienne encore. On secoue un peu le ventre comme ça. On secoue. On tasse. On secoue. Je vais faire un TikTok tout à l'heure. Comme ça, ça va faire descendre un peu la bouffe là. C'est quoi? Dès que je rote là, je coupe la vidéo. N'est-ce pas? Citron, menthe, vodka. Non! J'ai même le... J'ai le truc là, pour me faire roter. Comment on appelle ça? L'alcool des Antilles là. Le rhum. Mais pas d'alcool. J'ai même le dontol. J'ai le dontol. Voilà ça. J'ai le dontol. Ouais. Le goût de ça. On attend le roux. Dès que ça vient là, toc. Après, je vais aller m'allonger sur mon petit canapé là. Canapé que là, je vais aller m'allonger. Je viens de faire ma prière. Après, je réponds au message. Ah, ça va venir. Ah là là. Encore un peu. Je vous maintiens encore un peu. Encore un peu. Si on ne va même pas couper la vidéo aussi. Ngamba. Bon. Si tu vas m'entendre, ça rame. Je voulais mettre la musique. Et a fini de manger, non? Je suis contente. Quand tu as fini de manger, tu es content. Quand tu as fini de manger, tu es content. Il voulait mettre la musique. Ça fait longtemps qu'il n'a pas dansé. Bon, Ngaba, raccroche parce que c'est toi qui fais que ça tourne. À tout de suite. À tout de suite. Bon, marche alors. Parce que j'ai raccroché ma soeur parce que tu ramais. Donc maintenant, si elle est déjà raccrochée et que tu rames encore, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pas normal. Cette vidéo est visionnée en image dans l'image. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Mais j'ai écouté là. Alors. Emma Dobre Prod. Kérosen Toufan. Lou. Vas-y, lève les mains. Dis merci à Dieu. Vas-y, lève les mains. Dis merci à Dieu. Yéle Mamabo. Yéle Mamabo. Vas-y, Ripopo. Vas-y, Ripopo. Thank you.
sous le mix. On y va, hey. Isunga, isunga, hey. Isunga, isunga, oui. Isunga, isunga, hey. Isunga, isunga, oui. Isunga, isunga, hey. Isunga, isunga, hey. Isunga, isunga, hey. Isunga, c'est le isunga dance. 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 Allez, tapez les mains. Mettez les cas pour lui. Mettez les cas pour lui, pour mon fils DJ Bertrand. Bon, mes gens, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Je vous embrasse bien fort. Merci, merci, merci d'avoir été avec moi. Bon dimanche. La faisselle, il faut que ça reste toujours là. Bon, bisous. Merci d'avoir été avec moi. Ciao, bye.